Quỳ chỗ. Ông chúng tôi nhập ra cả một to cái chấm nạc ca này tại vị thị xã nạc ca. Ông nhập ra xong bộ câu biệt ca từ cho cầm sự vật cái rái đang bay trở lại to từ nâng sầm nào sông đó bỏ lúc mới từ vì anh đã chia cả việc đây lúc yên giờ lúc nôn chia để bàn sầm nào sông cả việc bực mình bẹp bòn nằm pành hà xã xây lúc mới từ vì anh đã chia cả việc đây nôn chia sông trên các cầu cho nằm bay sẽ đập cả bánh chè đó bỏ ông chúng nôn chấm rẻ lúc bay sầm men. First, Mr. Pestman, would you please make sure you are correctly attired before the judge convenes? We've let it go this long, but you seem unable to be back in court on time, unlike your colleagues. Secondly, the President has asked me to indicate in response to your earlier request concerning the opportunity to examine experts and other witnesses concerning this historical segment of the trial. Experts who are called later who have relevant information concerning this segment may of course be questioned by you or any other party on this segment of the trial. The Chamber is unsure what other witnesses you refer to. Could you put that request in writing, please, so that with your justification for wishing to call any additional witnesses concerning the historical segment of the trial, and please have that to us by tomorrow morning because this segment is almost concluded. Thank you. Chia cái bản tờ anh về thông công việc cả từ các cầm sòng bạc là với những mấy bản tờ cả bằng hai nơi hay cả sạp kho tàng chụp một bức kỳ sông trình. Oui, Monsieur le Président, j'ai un autre document qui concerne toujours ce problème de la politique d'évacuation des populations. Il s'agit du document suivant, message de félicitations de Monsieur Khieu Samphan en date du 22 avril 1975. Un document peut être trouvé sous le référent suivant D359/1-1.37 en 00-53-74-78-00-54-74-81. Le document en question est actuellement en cours de traduction en khmer et en anglais. Cependant, je précise que ce message est également contenu dans un autre document, qui est le document E3/118. Plus précisément, c'est un extrait de ce document, et plus précisément, il s'agit donc de déclarations radiodiffusées qui ont été enregistrées par le FBIS, le Foreign Broadcast Information Service, et donc l'ERN en anglais est le suivant, 00-16-69-94, 00-16-69-96,
Rennes en Khmer, 007-007-267-007-002-88. Donc il s'agit d'un message de félicitations en date du 22 avril 1975, c'est-à-dire très peu de jours après la chute de Phnom Penh. Et la partie qui m'intéresse est la suivante. Elle, c'est-à-dire la victoire des FAPLNK. Elle est due à la ligne de direction clairvoyante la plus judicieuse qui a guidé notre peuple et nos FAPLNK dans la conduite de la guerre populaire la plus puissante et la plus effervescente, attaquant l'ennemi dans tous les domaines. Militaire, politique, économique, et au point de vue de l'évacuation des habitants hors des localités sous contrôle provisoire de l'ennemi, mettant en échec les unes après les autres toutes les manœuvres de l'ennemi, attaquant continuellement sans répit l'ennemi, lui faisant perdre toutes les forces militaires, politiques, économiques, financières, vivres, jusqu'à l'épuisement complet de sang, l'étouffement et enfin l'agonie et la mort. Voilà, donc, je ne sais pas si l'un ou l'autre des accusés entend réagir à ce que je viens de lire, mais la partie évidemment qui me paraît la plus intéressante, c'est celle qui concerne la ligne ayant guidé les FAPLNK à la conduite de la guerre populaire, et en particulier celle qui concerne l'évacuation des habitants hors des localités sous contrôle provisoire de l'État. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous, M. Nunchia, M. Kyosampan, souhaitez réagir à ce que je viens de dire? Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que l'on doit considérer votre silence comme un refus de commenter? Ou bien est-ce que simplement vous n'avez rien à dire? Bien, bah écoutez, je pense qu'on va passer à un autre document. Il s'agit maintenant d'une série de documents qui concernent le programme politique et la composition du GRUNC. Le GRUNC étant le gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge. Alors tout d'abord, un document qui porte la référence IS-18.1, document intitulé « Le siège du Cambodge à l'Organisation des Nations Unies », référence ERN en français et en anglais.
sont les mêmes références puisque le document est à la fois dans les deux langues. Il s'agit donc de la phrase suivante, Il s'agit donc du programme politique du FUNK. Il s'agit d'un texte en date du 19 juin 1973 qui a été distribué à l'occasion de la visite d'une délégation d'une groupe à New York pour y exposer qu'il est le seul représentant légitime Cambodge et qu'en conséquence, il convient de lui attribuer le siège réservé au Cambodge. Voilà, donc je vais lire, c'est peut-être un peu long, mais paraît intéressant. Le gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge suit une politique dont les lignes sont indiquées dans le programme politique du FUNK à l'intérieur. Garantie des libertés démocratiques de presse, d'expression, de croyance, respect du droit de propriété privée. La politique extérieure est celle de neutralité et de non-alignement. Ce gouvernement comprend dans son sein les meilleurs fils et filles du Cambodge, connus pour leur patriotisme et leur dévouement à la cause du peuple. La majorité d'entre eux possèdent de solides connaissances et une vaste expérience dans la gestion des affaires d'État. Pour avoir occupé avant le complot du 18 mars 1970 des responsabilités importantes, président du conseil, ministre, député, ambassadeur, etc. 11 ministres et vice-ministres titulaires de portefeuilles importants dont ceux de la défense nationale, de l'intérieur, de l'information et de la propagande, exercent leur activité à l'intérieur du Cambodge. Le gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge. Donc je vais reprendre peut-être pas complètement depuis le début, ce gouvernement comprend dans son sein les meilleurs fils et filles du Cambodge, connus pour leur patriotisme et leur dévouement à la cause du peuple. La majorité d'entre eux possèdent de solides connaissances et une vaste expérience dans la gestion des affaires d'État. Pour avoir occupé avant le complot du 18 mars 1970 des responsabilités importantes, président du conseil, ministre, député, ambassadeur, etc. 11 ministres et vice-ministres titulaires de portefeuilles importants, dont ceux de la défense nationale, de l'intérieur, de l'information et de la propagande, exercent leur activité à l'intérieur du Cambodge. Le gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge assure son contrôle sur les 90% du territoire national que constitue la zone libérée.
et dirige la lutte de la population vivant dans la zone provisoirement contrôlée par le groupe de traite Phnom Penh. Il y assoit son autorité effective par le moyen d'une organisation administrative bien structurée à tous les échelons. Village, commune, district, province. Une démocratie réelle s'installe. Le peuple choisit ses représentants pour participer à la gestion des affaires. Voilà, Monsieur Nunchia, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que ce programme politique qui prévoit notamment le respect du droit de propriété privée et de la liberté d'expression vous paraît être un programme qui était conforme d'une part à la ligne politique du PCK et également aux mesures mises en œuvre dès 1973 dans les zones libérées? Eh bien, Monsieur Nunchia, pouvez-vous nous dire si dans l'éducation que vous dispensiez, vous appreniez à vos étudiants ce qu'était les libertés démocratiques de presse, d'expression, de croyance et de respect du droit de propriété privée? Je vous remercie de votre question. Je vous remercie. ការអប់រំបបាក់សំដៅកម្ចាត់ធាតបុគ្គលនិយមអញ្ញានិយមពុករលួយកសាងគោលជំនឿស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនស្នេហាបកតស៊ូដាច់ខាតដែលបងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមការណាសំណោះផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងរួម ដំណោះគ្នាត្រូវគិតផលប្រយោជន៍រួមមុននេះគោលការណ៍មួយចំនួនរបស់បកខ្ញុំអប់រំសិក្ខាកម្ចាត់ធាតបុគ្គលនិយមអនុវត្តធម៌អំណាចនិយមលុយកនិយមពុករស្រីស្រាបៀប៉ោនិយាយរួមអបាយមុខគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹង Monsieur Nunchia, est-ce que l'abolition de l'individualisme est compatible avec le respect du droit de propriété privée, avec la liberté d'expression individuelle? Monsieur Nunchia, Monsieur Nunchia, Monsieur Nunchia, គិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតផលប្រយោជន៍រួមគិតតែពីអំណាចអញ្ញាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងមិនគោរពមេគានយោបាយរបស់បកច្រើនណាស់មកឲ្យនិយាយ Sẽ rây nhung
Alors, je vais peut-être poser la question de façon différente, Monsieur Nunchia. Est-ce que le respect du droit de propriété privée est une valeur que vous avez enseignée? គោរពនៅកម្មសិទ្ធិឯកជនគោរពកម្មសិទ្ធិអីមិនមែនកម្មសិទ្ធិខាងដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិអីទេគោរពសិទ្ធិក្នុងការមានមតិគោរពសិទ្ធិសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីស្នើមតិប្រឆាំងចំណោះមតិ Alors, quand je lis une démocratie réelle s'installe, le peuple choisit ses représentants pour participer à la gestion des affaires. Vous qui êtes dans la formation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la démocratie réelle? Alors, je lis une démocratie réelle s'installe, le peuple choisit ses représentants ลัทธิประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยประมุขประชาธิปไตยประมุขประดมทั้งอ้อគ្នាឧបមាថាឧបមាខ្ញុំឧបមាចុះមិនមែនយកភាគតិចភាគច្រើនជាធំទេគឺឧបមា 49 ចាស49នោះចោលទេទៅត្រូវក៏រិះសាទុកអានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងមតិខាងប្រជាធិបតេយ្យខាងពួកខាងខ្ញុំខាងណាបកកុម្មុយនីកម្ពុជា Monsieur Nunchia, est-ce que selon vous, la ligne politique telle qu'elle apparaît dans ce document présenté aux Nations Unies en 1973 est conforme, compatible avec la ligne politique du PCK, ou était compatible avec la ligne politique du PCK, ou était compatible avec la ligne politique du PCK? Est-ce que vous avez cherché à connaître quelles étaient les lignes politiques du groupe ou est-ce que c'est une question qui ne vous intéressait pas? ខ្ញុំខាងប៉ាលឺយេប៉ុន្តែឲ្យចូលខ្ញុំចូលជ្រៅខ្ញុំជ្រៅ
ព្រោះខ្ញុំគិតតែខាងអប់រំទស្សនៈគោលជំហររបស់បកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចEt selon vous, dans les zones libérées, qui détenait véritablement le pouvoir? Est-ce que c'était le groupe? Est-ce que c'était le Fung? Ou est-ce que c'était les représentants du TCK? Groupe Lopetien. Par khang de sabal, chau khang de sabal, par khang pa, khang pa. Doi chan pa.แน่นอนปะดักนอมจะกำลังแวนเจ้าจมูกกองตัววิ่งตาเนี่ยน่าจะเนี่ยกรุบกรองกองตัวក៏រົບលោកប្រធានខ្ញុំដឹងច្បាស់ទេបើខាងកងទ័ពនិងគណៈកម្មាធិការកងទ័ពប៉ុលពតមេបញ្ជាការកងទ័ពEt vous-même, vous faisiez partie de ce comité? Et saviez-vous si monsieur Kyusampan occupait les fonctions de vice-premier ministre du Gronk et ministre de la Défense nationale? Alors, pour votre information, parce que vous semblez pas très bien connaître le Gronk, je vais également lire un document qui se trouve en annexe du document que j'ai cité et qui contient la composition donc, du gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge.Premier ministre, monsieur Pinot, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation et de la Défense nationale, monsieur Sarinchak, ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu monsieur Sarinchak pendant la période du Kampuchea démocratique? Monsieur Uyun.Le ministre de l'Intérieur en charge des réformes et coopératives. Est-ce que vous avez connu M. Uyun? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant la période du Kampuchea démocratique?ជំរាបលោកប្រធានខ្ញុំស្គាល់ពីមិនចិត្តស្និទ្ធការងារផ្សេងគ្នាអឺ
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à M. Huyun pendant la période de Kampuchea-Démocratie? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, quel était le résultat de cette altercation? Je ne comprends pas très bien en quoi cela relevait-il de l'administration, monsieur. Bien, alors, un autre membre du gouvernement, monsieur Hunim, ministre de l'information et de la propagande. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé à M. Hunim? Monsieur Chau Sang, ministre en charge des missions spéciales. Vous l'avez connu, Monsieur Chau Sang? Et est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant la période du Kampuchea-Démocratie? Monsieur Chan Yuran,
Luk Chan Juran, Ron Montre Gesuong Ap Rung Chiet Nang Yuvachun. Luk Ngao Hu, Ron Montre Gesuong Sokhabibal Nang Kajka Sasna Nang Songkumakech. Monsieur Chun Mum. Luk Chun Mum. Connaissez Monsieur Chun Mum? Ta Luk Skwa Luk Chun Mum Darite. Ministre de l'économie et des finances. Kwa Chie Ron Montre Gesuong Sertikach Nang Herany Matho. Khom lưu chmua ko rup rup tien pan khom mun da skal ka san kit san nei po khang phnai ratabal General Dyong Samhol Adam Sanai en charge Dyong Samhol Dyong Samhol Dial Chi Ram Trai Tum Tuk Pia, Yotian Nung Krung Sapir Wood. Look squall quat every day. Jim Rip Gorup Rup Tim Kim Daskar Sot. Monsieur Yot Sambat. Look who Sambat, Ron Montreux, Song Satir and Akan, and two Rakam Nikum, and Samsung. Ta look down Sam, Mindung I cut lang, or look who Sambat, Dirty, no Kram Robob, Campuchia, which is up tie. Go look at him, come out down there. Monsieur Chi San. Look, Chia San, Ron Montreux, Song, Yotet Thor, Nung Kum Nai Tum Rung Tolaka. Ta look squall, look, Chia San, Darite. Kurum Rung Tien, Kanan Mundai Skal Yeta. Mundai Luch Mopo. Monsieur Ketchon. I look Ketchon, like Chia Ron Montreux, Daiti, Nikana Ron Montreux. Ta look squall darite, look kitchen. Look group of ten from squall, penman tits net, mendan yak in a bong, pan squall mook. Monsieur Chun Prasit, ministre en charge. Look Chun Prasit, Rod Montreux, the Turban took some rough, some rural, cat, come from frying. To Surum Dachit, Taluk Squall, look, Chuan Prasad Darite. Group Rupertin, him Skull, Pandaman, that's getting ye again at him then. That took car agent working today. Son Altesse Royale Norodom Purisa, Ministre Sam Dan Norodom Purisa. Dial Chia Rod Montreux Get the Yu Price some guy pride look, some dining rodam Sara. Go to Blue Potato, him do each more than that's called him, that's going to do for. Monsieur Kong Sofal. Look, Kong Sophal, Vice Ministre de la Défense Nationale. And Nourra Montreux, Kapi Chit. Ta look, Squall Quat Darite. Look, look, say, come, that's Carl. Monsieur Pok Doskomar. Look, Pok Doskomar. Vice Ministre des Affaires étrangères. And Nourra Montreux, Kasuang Kaborte. Ta look, Club Squall Quat Darite. Look, look, say, Club Squall. Monsieur Van Pini, look, Van Pini, vice-ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Van Pini? Look, Van Pini, look, Van Pini, look, Van Pini, look, Van Pini, Look, young to Maria, who is up, Kangra's wife, come and done there. But I don't know him, I don't hate him.
ព្រោះការក្នុងជំនាញចេះគោលការណ៍ក្នុងបកការងារណានោះដឹងហើយកុំទៅជាជីជាស៊ូរបស់គេនោះការងារយើងយើងដឹងការងារគេគេដឹងគេធ្វើគុំគេអានេះគោលការណ៍វាមានអញ្ចឹងតាំងពីដើមមក Monsieur Sok-Turk, vice-ministre de l'Intérieur, en charge des réformes communales et des coopératives. Monsieur Steve Hall. Vice-ministre en charge de l'information et de la propagande. Et M. Nunchia, est-ce que par hasard vous sauriez ce qui a pu arriver à M. Steve Hall pendant la période du Cambodge démocratique? La suivante est quelqu'un que vous devez peut-être connaître. Il s'agit de Madame Yang Thirit, vice-ministre de l'éducation populaire et de la jeunesse. Ensuite vient Monsieur Chuchet. Vice-ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et religieuses. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu de M. Chuchet pendant la période du Cambodge démocratique? Et le dernier sur cette liste, qui est M. Khoi Thun, vice-ministre de l'économie et des finances. Vous connaissez M. Khoi Thun? Est-ce que vous savez ce qui lui a pu lui arriver pendant la période du Cambodge démocratique à M. Khoi Thun? Et il a été tué où? Alors, je précise que cette liste du gouvernement du Grunk a connu de nombreuses variations, il y a eu de multiples modifications, on va peut-être pas toutes les reprendre aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Khieu Samphan ou M. Yang Sarit, puisqu'il doit pouvoir entendre depuis sa cellule, si l'un ou l'autre des autres accusés entendent réagir à la lecture qui a été faite des documents que je viens de présenter, ou s'ils souhaitent porter des observations, est-ce qu'ils ont des problèmes de mémoire éventuellement ou ខ្ញុំ
มันมีสิ่งอธิบายที่ในเวลานี้บาทหลวงอคุณ Alors, on va poursuivre avec un autre document. Il s'agit cette fois-ci du document D108/43/3. Il s'agit d'une lettre en date du 20 mars 1975 qui a été adressée au secrétaire général des Nations Unies par le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU et qui contient un télégramme de M. Sarin Chak, ministre des Affaires étrangères du Gonc, et demandant que la déclaration contenue dans le télégramme soit communiquée et distribuée à tous les États membres de l'ONU. Il s'agit d'une déclaration publiée par le deuxième congrès national du Cambodge qui s'est tenu les 24 et 25 février 1975 sous la présidence de M. Khieu Samphan. Alors, c'est un document qui est assez long. Je ne vais pas en faire une lecture extensive. Je vais simplement essayer de le résumer. Alors, je dirais ceci. Il s'agit d'une déclaration qui a été adoptée à l'unanimité des participants du congrès, lesquels étaient composés de ministres du Gonc, de représentants des organisations de masse, de l'Association des femmes démocratiques du Kampuchea, de l'Association des paysans, du syndicat des ouvriers, de l'Association des bons patriotes, de l'Association des intellectuels patriotes, de l'Association des écrivains et poètes patriotes, des représentants des trois catégories de FAPLNK. Et cette déclaration énonce en 8 points les grandes lignes de la politique intérieure et extérieure du groupe. Point numéro 1. Les 7 super traîtres, à savoir Lon Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Thanh, Cheng Heng, In Tham, Long Boret et Sosten Fernandez sont condamnés à mort. Les fonctionnaires, officiers et soldats, officiers et agents de toutes les polices, gardes d'autodéfense, hommes politiques et autres personnalités vivant dans les localités sous le contrôle de l'ennemi sont invités à abandonner les 7 super-traîtres Point 2. Le point 2 tend à voir obtenir la cessation de toute ingérence et de toute agression directe ou indirecte des impérialistes américains contre le Kampuchea. Ainsi que le départ immédiat de tous les conseillers militaires américains. Point 3. Le point 3 concerne d'une part la politique intérieure pour laquelle il est réaffirmé qu'il est procédé à une politique de large union de toute la nation et de tout le peuple, sans distinction de classe sociale, de tendance politique, de croyance religieuse, et sans tenir compte du passé de chacun, à l'exception toutefois des 7 super-traîtres.
En ce qui concerne la politique extérieure, il est rappelé la politique de neutralité et d'indépendance, qui est donc la politique à suivre, le refus de la présence de toute base militaire d'agression, l'établissement de relations diplomatiques avec tous les pays proches et lointains, sans distinction de régimes politiques et sociaux, dès lors que ces pays respectent les principes d'égalité, de respect mutuel et d'intérêts réciproques, de non-agression et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Il est également affirmé ceci: la nation et le peuple du Kampuchea accepteront de tous les pays, toutes les aides, pourvu qu'elles soient inconditionnelles. Point 4 tend à un appel au soulèvement général armé. Cet appel est adressé à toute la population de Phnom Penh pour qu'elle renverse les traites, qu'elle mène donc des actions violentes. Le point 5 fait plutôt un appel à l'abandon du riel émis par les traîtres, savoir le régime de Lon Nol, le riel n'ayant plus de valeur et étant appelé à être remplacé par un nouveau riel émis par le Grunk. Il est précisé également ceci: dans les zones libérées, l'usage du riel émis par l'ennemi a été supprimé et a été remplacé par la mise en place d'un système de troc. Il est dit encore ceci: à l'avenir, la pratique du troc continuera comme jusqu'à présent, et le nouveau riel émis par le Funk et le Grunk sera mis progressivement en circulation. Enfin, il y a une information destinée à tous les compatriotes de toutes les classes et couches sociales vivant à Phnom Penh, ainsi que dans quelques autres chefs-lieux provinciaux sous contrôle provisoire de l'ennemi. Donc, information destinée à ces compatriotes qui se préparent à abandonner les rangs des traîtres pour rejoindre les zones libérées et le Funk. Et il leur dit ceci: ne vous préoccupez pas, ne vous préoccupez pas des moyens de vos moyens d'existence et de travail qui vous seront pleinement assuré. Point 6, il s'agit d'un appel adressé à toutes les ambassades et à tous les organismes étrangers accrédités auprès du régime des traîtres pour qu'ils retirent sans délai leur personnel et leur famille de Phnom Penh et des régions sous contrôle provisoire de l'ennemi afin d'éviter tout accident qui pourrait éventuellement leur arriver. Le Funk et le Grunk déclinent toute responsabilité pour de tels accidents. Au point 7, il est exprimé la profonde reconnaissance du Grunk et du Funk au peuple et pays amis et à toutes les personnalités ayant accordé leur soutien dans la juste lutte de libération nationale. Point 8, il s'agit d'un appel aux trois catégories des FAPLNK à redoubler de combativité et à intensifier sans répit leurs attaques contre l'ennemi en vue de la libération totale et définitive de la nation et du peuple. Voilà, est-ce que
vous souhaitez réagir concernant la lecture de ce document. Monsieur Kyesampan, souhaitez-vous faire des commentaires? Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, Monsieur le Président, j'ai présenté les documents qui me paraissaient pertinents à ce stade. Et s'il n'y a pas d'autres documents à présenter. បាទឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការសមនការវិភាសាដេញដោលចំពោះលោកនុនជា
ដោយ
ចំណែកឯការជម្រាបជូនជាផ្លូវការគឺក្រោយពេលបញ្ចប់សកម្មភាពនេះនៅរសៀលនេះយើងនឹងចេញជាផ្លូវការជម្រាបជូនដល់ភាគីបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះ Mettez-vous Elisabeth. Oui, Monsieur le Président. Madame la juriste hors classe, nous ayons adressé un mail pour nous suggérer la possibilité de présenter des documents en début de semaine prochaine. Nous avons répondu positivement ce qui nous concerne, et nous ne serons en mesure de présenter ces documents qu'à partir de lundi, et en tout cas, ni certainement pas demain, puisque nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Je voudrais juste donner cette précision à la Chambre. ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនស្របទៅតាមសេចក្តីណែនាំដែលផ្ដល់ជូនដោយតុលាការអង្គជំរះបានជម្រាបរួចហើយអមិញមិញថាថ្ងៃស្អែកគឺអង្គជំរះបន្តដាក់ឯកសារភស្តុតាងចំពោះមុខភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតដទៃទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីណាដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយបើមានបំណង ចង់ដាក់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើមានពេលសល់ដែលពីអង្គជំរះក្នុងការបង្ហាញដាក់ឯកសារភស្តុតាងចំពោះមុខភាគីអាចធ្វើបានតែប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានទេគឺតាមកាលកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអង្គជំរះបានជម្រាបជូនភាគីរួចហើយគឺធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃសម្រាប់ឯកសារបញ្ចប់នៅអង្គហេតុប្រវត្តិប្រវត្តិ បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយនឹងពីថ្ងៃទៀតឯកសារត្រៀមសម្រាប់ទៅសួរដេញដោលនៅអង្គហេតុប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងការងារដោយបន្ថែមនៅអង្គហេតុខ្លះដោយសារវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងការងារ ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំគិតថាទំនងជាច្បាស់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពត្រឹមនេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអំពីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទាំង3រូបត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង3រូបមកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនេះនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះ